suis heureux d'accueillir ici et que je remercie de grand cœur de nous faire l'honneur de recevoir les insignes du premier ordre national français dans ces salons de l'hôtel Groslot, dans la maison commune d'Orléans, finalement, qui est honorée de recevoir cette cérémonie ce soir. Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs, monsieur le représentant du député-maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables ou représentants des services de l'État, des services territoriaux, des services de santé, de structures hospitalières et d'insertion, d'entreprises privées, monsieur le président départemental de la Légion d'honneur, société des membres de la Légion d'honneur, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, familles et amis de M. Gervais l'OMB. Vous venez tous d'horizons très différents et vous représentez toutes les composantes de la société. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je ne suis pas secrétaire d'État chargée de la ville. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc présidente du comité d'Orléans de la Société des membres de la Légion d'honneur. Dès lors que la ministre était empêchée, c'est très volontiers que j'ai répondu à votre demande, Gervais, afin de procéder ce soir à la remise de vos insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Je suis accompagnée par plusieurs personnes de notre société, parce que c'est l'usage pour nous d'entourer le futur décoré. En effet, monsieur l'OMB, par décret du 14 juillet 2016, vous avez été nommé chevalier de la Légion d'honneur et je précise que vous êtes aussi depuis 2006 chevalier de l'Ordre national du mérite. Professionnellement, vous êtes depuis 2009 délégué du préfet de région, centre Val-de-Loire et préfet du Loiret, et c'est au terme d'un parcours riche et diversifié, qui témoigne de votre curiosité intellectuelle et de votre ouverture d'esprit, mais aussi de votre engagement dans la société et au service de notre pays, que vous avez été distingué par cette nomination dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Votre engagement pour la jeunesse, d'abord, c'est ce qui m'a frappé le plus, particulièrement en ce qui concerne l'insertion professionnelle. Un seul chiffre, car je sais qu'il vous tient à cœur. Vous avez aidé plus de 1200 jeunes à trouver un stage. Cet engagement pour la jeunesse vous a valu la médaille de bronze en 2003 et la médaille d'argent de la jeunesse et des sports en 2010. Plus surprenant, moi qui vous connaissais simplement de rencontres, votre goût pour les sciences. Vous êtes en effet titulaire de plusieurs diplômes dans ce domaine. CAPES de physique qui vous a permis d'enseigner, certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, certificat d'astronomie de l'Université d'été d'Helsinki, agréé en sciences et techniques de jeunesse, option micro-fusée, mini-fusée, ballon stratosphérique. Nous sommes prêts à partir. Toute connaissance dont vous avez su faire profiter les jeunes, puisque vous avez été organisateur d'activités en sciences techniques de jeunesse en collaboration avec le Centre national d'études spatiales. J'ai noté aussi, et je ne vais pas tous les citer, vos engagements associatifs locaux qui sont nombreux. Je voudrais aussi faire référence à votre ouverture à l'international, puisque vous avez été un temps chargé de mission à l'UNESCO. Enfin, je soulignerai également votre engagement pour la lutte contre les discriminations, et nous savons qu'il y a encore bien à faire. Votre participation, et ça m'est cher, à des missions de défense nationale, l'IHEDN, la réserve citoyenne. J'ajouterai pour en terminer, et ça n'est pas le moins surprenant pour moi, votre goût pour l'écriture, puisque vous avez publié quelques ouvrages, dont l'un a été distingué par l'UNESCO, tandis que d'autres sont consacrés à la culture africaine. Je n'oublie pas le volet familial.
important pour vous, puisque de nombreux membres de votre famille sont à vos côtés pour cette cérémonie. Ce sont à la fois vos qualités personnelles, un engagement social très fort, qui sont aujourd'hui reconnus par l'attribution de la Légion d'honneur que je vais vous remettre selon la formule consacrée. Monsieur Gervais Longué, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Je ne remercierai pas assez tout ce que la République m'a apporté et m'apporte, parce que le talent, je ne sais pas s'il existe, mais ne suffit pas. Faut-il encore que vous autres, chers amis, puissiez m'apporter l'amitié, l'amour, l'attention, l'aide qui fait qu'aujourd'hui nous en sommes tous là. Donc cette médaille que je reçois est certainement la cristallisation de cette attention que vous m'avez portée et qui fait que finalement on en est là. Ce n'est pas mon affaire à moi tout seul, c'est notre affaire. Et nous allons donc marquer le point de départ d'une autre aventure qui, par exemple, sera dans les arts, parce que oui, je m'investis désormais dans l'art et puis dans l'attention vers les personnes âgées. Voilà, parce que, bon, il paraît qu'une distinction n'est pas l'aboutissement, mais c'est plutôt le départ de quelque chose d'autre. Cette cérémonie, évidemment empreinte de solennité de la République française, est aussi une rencontre amicale. Je dois dire que je suis particulièrement honoré d'avoir pu participer personnellement à cette cérémonie. Dans le travail d'ambassadeur, ce travail consiste à créer des ponts entre les peuples, entre les nations. Et je dois dire que M. Louembe Gervais, ici, présent, est un pont entre le Congo et la France. Un pont très concret avec les deux piles, celle du Congo et celle de France, qui sont solides. Et je crois que c'est par rapport à cette amitié vieille, longue et éternelle entre nos deux pays, nous en avons une illustration tout à fait particulière cet après-midi. Donc je voudrais encore une fois, au nom de mon collègue Jean-Marie Adouat, qui est le représentant du Congo à l'UNESCO, nous avons entendu le mot de UNESCO également, donc les Nations Unies. Et en mon nom personnel et de toute la communauté congolaise d'Orléans, de France, la diaspora, dire notre fierté et dire toutes nos félicitations à l'un des nôtres, l'un des meilleurs d'entre nous, Gervais Louembe. Merci beaucoup. Et voilà, c'est toujours un honneur de remettre une décoration du premier ordre national français. Bon, c'est toujours un honneur. Et ça l'est en particulier, c'est en particulier important lorsque ça participe justement à ce pont dont a parlé monsieur l'ambassadeur, entre deux continents, entre la France et le Congo, voilà, avec de façon à entretenir, renforcer, maintenir des liens historiques de fraternité entre nos deux peuples. Voilà, je trouve que c'est extrêmement important de maintenir cette solidarité, cette communauté vivante, voilà, et à travers
ce geste-là, c'est un petit peu le sens que moi j'y vois. C'est une chance déjà d'accueillir quelqu'un comme Gervais Lerimbé. Son parcours est très riche, très, très diversifié. J'ai beaucoup aimé le mot de pont. Il est un pont entre nos deux pays. Donc dans la diversité, on va pouvoir... On va pouvoir réussir enfin à montrer que d'un côté ou de l'autre, on est tous ensemble, on agit tous dans le même sens. Et la Légion d'honneur, la décoration qu'il vient de recevoir, c'est pour des valeurs, c'est pour un travail. C'est vraiment pour avancer et tous ensemble. Nous sommes très fiers de lui par rapport à la place qu'il occupe dans cette ville. Et éventuellement, nous partageons également les mêmes valeurs. Et que la médaille qu'elle a reçue nous honore tous. C'est quelqu'un qui est très ouvert, qui fait beaucoup de choses. Il est altruiste, il s'occupe aussi de ses compatriotes. Donc il montre aussi l'exemple à nous tous qui sommes là, qui essayons de faire vivre. Et on va dire que la France nous a accueillis et puis nous avons fait des efforts pour essayer d'être à la hauteur. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, je suis l'un des chirurgiens pédiatres du centre hospitalier régional d'Orléans. D'abord, beaucoup de joie, bonheur, un grand bonheur, une grande joie. Et une certaine fierté pour mes concitoyens français, mais heureux aussi pour mes concitoyens congolais. Parce que le travail qui a été fait ici a été fait d'une part en fonction des... peut-être des qualités, des compétences que je tiens de mes origines congolaises, mais également avec ce qui m'a été apporté par ce pays, par cette République qui a su me donner les moyens de m'exprimer en fonction des qualités que j'avais, des dispositions que j'avais. Et voilà, nous en sommes à faire des choses, comme vous venez de le voir, aussi bien pour la France, surtout pour la France, mais beaucoup aussi pour le Congo. Et je pense que dans tout ce qui a été dit et fait ici, tous les deux parties sont gagnants. La France est gagnante, le Congo est gagnant, le monde est gagnant, l'humanité est gagnante. Parce que ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail de groupe, c'est un travail collectif. Voilà.